Bon, les amis, aujourd'hui, on va vous parler très sérieusement. On a besoin de vous. Avec notre pote, Christophe Gervais, on voudrait faire du bruit sur un sujet important. Le don d'organes, on en parle ? Nous non plus, on n'y pensait pas avant. Grâce à notre ami Iskan, on a commencé à réfléchir à ce sujet. Iskan, il a sauvé plusieurs vies grâce au don de ses organes. Ah, vous êtes déjà donneur ? Est-ce que vous l'avez signalé à votre entourage ? Parce que si vous n'en parlez pas à vos proches, ils n'oseront jamais accepter pour vous au moment où les médecins leur demanderont leur accord. Ah bon ? Mais moi je pensais qu'on était tous donneurs d'organes sauf si on signale avant qu'on n'ait pas d'accord, non ? Oui, mais la famille est toujours consultée. Alors si elle n'est pas au courant, elle préfère refuser. C'est pour ça qu'il faut en parler. Et pour qu'on en parle, Christophe Gervais va courir. Pour remercier Iskan. Et aussi pour attirer l'attention sur ce sujet important. Ce dimanche 21 novembre, entre 9h30 et midi, Christophe va courir les 20 km du trail d'Aiguzon. Christophe, on est tous avec toi. Même en Australie. Même à New York. En France, 30 000 personnes sont en attente d'une greffe. Pour une moyenne de seulement 6 000 donneurs par an. Alors, on en parle. Le don d'organes, c'est possible, quel que soit l'âge. On n'est jamais trop âgé pour donner. C'est gratuit. Pour la famille du donneur, comme pour le greffé. Ça sauve des vies. C'est une opération, pas une mutilation. Le don d'organes ? On a le droit de ne pas être d'accord. Mais on n'a pas le droit de laisser les autres décider pour nous. Alors si vous êtes d'accord, signalez-le à votre entourage. Allez Christophe, à toi de jouer.